Je suis Islamabad. Je sens que cette émission va être trop dure à faire. Il faut économiser les dates. C'est ce que me dit mon agent pour qu'on fasse plus de thunes. On prénommera ce département Tarn-et-Garonne. Mesdames, messieurs, pour quelques euros, assistez au début de la fin des faux héros. Vendra sur leur cage, ils vont tous dormir comme des oiseaux. Leur câble, leur drogue, change de visage pour chaque accro. Personne n'est mieux, tout le monde est pire. Construire, détruire, avant que la validité expire. Les croquants, c'est le nom qu'on donne aux révoltés, aux paysans, aux révoltes paysannes du Occitane du XVIIe siècle essentiellement. Alors moi je suis Buffaro, c'est-à-dire un des chefs de la révolte, qui se rend de Cadro, qui était le capitaine des communes du Sarladé. On a retracé cette grosse révolte de 1636-37 parce qu'elle est peut-être la plus symbolique, d'abord la plus énorme. Les croquants, ils sont constitués, structurés, sur le plan politique et social. Et c'est ça qu'on veut montrer aussi dans la pièce. Et nos hommes, le mien est prêt à s'opposer, mais pas tout seul. Il dit qu'il faut s'organiser. Mais l'idée, c'était d'être la mariée sale qu'on prenait à Bruegel et qu'on emmenait dans la nef des fous, au centre de la scène. J'ai aussi une sorcière, un fantôme, l'esprit de la forêt, l'esprit de la révolte. Et la forêt sortie de mes tailles de gage. Et la forêt sortie de mon tailles. Elle est sortie. Elle est sortie. Elle est sortie et se mit à pousser. Et se mit à pousser. À pousser. À un moment donné, je balaye avec une sorte de... c'était écrit à cheval. Et en fait, je chasse les mauvais esprits. Ça, c'est un rituel de carnaval qu'on retrouve dans de nombreux carnavals traditionnels contemporains. On va à la révolte en chantant. Pas des révolutionnaires, c'était des révoltés. Voilà. Ils n'avaient pas de théoricienne de la révolution. Ils n'avaient pas non plus de gens peut-être suffisamment instruits pour les mener. Alors ils ont peut-être été manipulés. Ça transparaît un peu dans notre spectacle par certains nobles qui, eux, étaient des chefs de guerre et des chefs militaires, qui ont tenté de les manipuler, qui n'y sont pas parvenus. Je pense que ces révoltes, elles sont retombées tout simplement. À oser bafouer ceux de nos provinces en établissant de nouvelles levées d'impôts. C'est une insulte contre le peuple. Royal. Nous devons nous opposer à tout recouvrement de ces nouvelles taxes. Vous parlez de la légalité des actions, mais les autres, ceux qui nous rançonnent, nous pillent, est-ce qu'ils la respectent, eux ?